Hi guys. What a voice, man. It's crazy, like really. Did you ever felt like to sing or something? Oh, come on. Juste pour l'anecdote, je me disais que c'est dans cette gare-là que je suis arrivé il y a 3 mois à Melbourne, enfin un peu plus de 3 mois. Et ouais, c'est marrant parce que j'ai jamais repris le train depuis ce temps-là, tu vois. C'est vrai que à chaque fois j'ai bougé dans la ville avec le tram et les bus et j'ai jamais repris le train, j'ai jamais remis pied dans cette gare. Mais c'est marrant comment l'image de la gare et merde, comment ça s'appelle ce mot-là. Tu sais, quand tu dis ouais, c'est une image, enfin merde. C'est pas l'analogie? Non, c'est pas l'analogie, c'est un autre mot. L'allégorie. L'allégorie de la gare qui symbolise le voyage, bah voilà. Et là, je cherchais ma moto, plus jamais de bus, plus jamais de train, plus jamais rien. Bon là, tu vois, je suis avec Stéphane, c'est lui qui va me vendre la moto, mais en fait... je suis arrivé un peu trop tard, du coup il avait plein de trucs à faire cet après-midi et du coup je l'accompagne. Et en fait il est en train de préparer tout son matos, son méga Land Rider et sa caravane pour un gros voyage. Parce que tu sais, son job c'est de préparer des voyages en moto et lui il suit tout le groupe avec son 4x4 pour porter l'essence et tout. Et là je le suis, il est en train de faire tout son setup, tu vois. Et c'est vachement marrant parce que je l'ai suivi dans un garage, du coup j'ai vu comment il changeait les pneus et tout. On parle en même temps, donc c'est vraiment génial. J'adore ce mec, franchement, je suis vraiment tombé sur un ange, quoi. Donc là, j'attends, tu vois, il était venu récupérer sa caravane. Bon, tu vois, là, c'est moi qui bricole un peu la bécane pour mettre ce rack dessus, là. Et j'ai grave galéré un peu avec ce clignot, là, parce que t'as une vis, un écrou ici, si tu peux voir. Tu vois, t'as un écrou là et il était vachement rouillé, donc pour l'enlever du truc c'était un peu galère. Mais j'apprends la mécanique des barres. Elle est pas belle quand même. Voilà, il est là le gros bébé. La classe, hein. Bon, et bah aujourd'hui c'était mouvementé, hein, putain. Mis à part que j'ai failli crever et que j'ai cru que j'avais pété la moto deux fois. Oh là là. Attends. Je vais mettre un foulard sur mon casque parce que j'ai peur d'avoir la calvitie après. Mais disons que j'apprends de la manière. J'apprends à la dure, tu vois. Comme j'ai dit à Stéphane, I'm learning the hard way. Ben, mine de rien, les seuls moyens d'apprendre des trucs, c'est de les vivre, quoi, tu vois. Les seuls moyens de... Ouais. Et aujourd'hui, il m'est arrivé des trucs. Hein, y a personne. Du coup, j'ai pas mangé. Je t'assure que je prendrai des images et des photos, des vidéos sur la moto et tout. Mais j'attends d'avoir ma caméra exprès pour ça, tu vois. Parce que je peux vraiment, vraiment pas risquer le Canon G7X, mais... Ouais, j'ai hâte aussi de voir ce que ça a donné les images sur la moto, mais bon. Aujourd'hui, je suis déjà un peu plus rassuré parce que du coup, je sais ce qui peut arriver, tu vois. À un moment, j'étais en panne d'essence en plein milieu du bush, tu vois. Et je pensais que le réservoir était plein quand je l'ai acheté alors qu'il n'était pas. Du coup, j'avais calculé beaucoup plus que ce qui me restait, tu vois. Heureusement, j'ai mis la réserve, j'ai pensé à mettre la réserve et ça m'a amené jusqu'à une station essence et tranquille, tu vois. Mais ouais, quoi, voilà. Bon, moi je vais bouffer un truc là. Ouais, tu vois, j'ai fini là pour aujourd'hui, j'ai fini la journée. C'était pas long, mais le truc c'est que c'est hyper loin et ça prend deux heures pour y aller, deux heures pour revenir. Et le job il dure deux heures, donc en fait on est payé 4 heures à rester assis dans une voiture, tu vois. Donc c'est pas la folie quoi. Après c'est de l'argent facile, mais bon, c'est un peu chiant parce qu'on perd du temps, tu vois. Mais. Ouais, ces derniers jours, j'ai pas pu trop filmer. Je t'avoue que ouais, j'ai pas pu trop filmer. En fait, c'est même pas que j'ai pas pu, c'est que j'avais tout simplement pas la tête à ça, tu vois. Et je pense que bon, des fois ça arrive et tout, mais là c'était vraiment. Enfin, je vais le dire clairement, c'était à cause de la moto parce que. Enfin, tu sais, des fois on se met dans des situations comme ça quand il y a un truc nouveau qui nous arrive dans la vie ou. Ouais, quelque chose qui bouleverse un peu le quotidien ou la routine, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Attends, je vais arrêter de bouger sinon tu vas avoir la gerbe. Je l'ai vraiment ressenti comme ça, tu vois, genre comme si ma routine était un peu brisée
parce qu'il y avait un nouveau truc qui était rentré dans ma vie et qu'il fallait que j'en prenne soin. Là, en l'occurrence, la moto, tu vois, il fallait que je l'amène, il fallait que j'aille la faire enregistrer, il fallait que je m'achète encore pas mal de matos, il fallait que je fasse plein de trucs pour être en règle, tu vois. En plus du stress de savoir où la garer, parce que je peux pas la garer dans la rue, mon quartier craint un peu pour ça, tu vois. Donc à chaque fois, il faut que j'attende que quelqu'un rentre dans le parking pour rentrer dedans en même temps. Enfin, c'est un peu prise de tête au début. Et tu sais, peut-être que, enfin, je sais pas, des fois c'est vrai qu'il y a des trucs qui nous arrivent comme ça dans nos vies et ça bouleverse un peu tout et ça nous chamboule un peu le crâne, tu vois. Et moi, je me suis dit, attends, bon, tu sais, d'habitude je filme assez souvent quand même, ouais, je filme à peu près tout ce que je peux filmer, quoi. Et là, je me suis retrouvé en mode, ah ouais, et le truc, c'est que ça te fout un petit stress en plus. Enfin, je sais pas si toi, ça t'est arrivé, tu vois, peut-être que tu t'es acheté une voiture ou quand t'as une nouvelle copine, tu vois, ou quand tu déménages ou quand tu fais un truc comme ça. Mais c'est vrai que ça te met un peu sur le banc, quoi. Enfin, t'es un peu retranché, tu te retrouves à mettre 90% de ton temps dans un tout nouveau truc dans lequel t'es pas du tout habitué à passer du temps, quoi. Et c'est vrai que, enfin, ça m'a un peu effrayé. Je me suis demandé, mais attends, c'est bizarre quand même, parce que mine de rien, ça met pas mal la pression. Je me suis demandé si, tu vois, est-ce que j'ai pas fait une bêtise d'acheter cette moto et tout. Et avec du recul, je pense que, en fait, c'est pas ça. Je pense que c'est difficile de, comment dire, de faire la différence entre le fait que il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie et qu'il faut que tu lui fasses une place. Et le sentiment de « ah merde, je me suis peut-être gouré, j'aurais pas dû faire ça ». En fait, la limite est très 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 fragile. Tu vois, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, entre le fait de se dire « non, là, j'aurais vraiment vraiment pas dû le faire parce que ça a complètement tout bouleversé » et juste le fait de s'acclimater à un tout nouveau truc, quoi. Donc voilà, je voulais te partager ça. C'est un peu brouillon ce que je voulais dire, mais j'espère que j'ai pu te faire passer l'idée. C'est vrai que ça nous arrive souvent, enfin, en tout cas… Je pense que souvent aux jeunes, tu vois, et notamment ceux qui veulent partir en voyage, peut-être que tu vas partir en voyage et tout. Et tu peux le voir, enfin, même au moment où j'étais arrivé en Australie, c'était un peu le même game, tu vois. C'était un tout nouveau truc, ça m'a un peu bouleversé. Et c'est vrai que pendant deux semaines, un mois, j'étais pas dans mon assiette parce que c'était un truc de difficile à avaler. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est qu'une question de temps et d'habitude, je pense, tu vois. Et qu'après, tout redevient à la normale parce que on est super fort pour s'adapter aux nouvelles situations, quoi, tu vois. Donc voilà, moi, j'attends Jérôme, là. Je suis dans un cimetière de voiture à la limite, tu vois. Regarde, il a perdu son pare-choc, le mec. Ouais. Je sais pas ce que c'est, ça. Est-ce que c'est le liquide de frein, ça ? Je sais pas. Ouais, et sinon j'ai reçu la caméra, la GoPro, enfin c'est pas une GoPro mais c'est une action cam. Par contre, il faut que je m'achète une carte SD pour pouvoir filmer, donc encore un nouveau truc que je vais devoir acheter. Mais après, je vais pouvoir filmer des plans de ouf, tu vois, donc ça, j'ai vraiment trop hâte. Et voilà, moi je vais te laisser là, je te dis à la prochaine. J'attends Jérôme là, je sais pas ce qu'il me branle, tu vois, il est déjà 6h. Voilà, je te dis à la prochaine, ciao.